Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que votre famille va bien surtout et que tout se passe bien dans un contexte bien difficile. Enfin, déjà il y a du soleil, c'est déjà quelque chose, même si les températures ne sont pas fabuleuses. Alors aujourd'hui, je serai tout seul, notre ami Stéphane est en plein travaux, comme vous le savez, il essaye de faire avancer son bassin. Bon, je suis passé en vitesse. Début d'après-midi, ça avance bien. Après, bon, il y a encore la filtration à finir, etc. Mais bon, tout ça prend forme. Et puis voilà, donc tout se passe bien. Alors, dans les nouvelles, ce que je peux vous annoncer, c'est une visite demain chez Japan Koi que je ferai. Et je verrai avec eux comment est-ce qu'on fera pour la suite. Mais bon, c'est prévu. Demain, je passe chez Japan Koi. Bon, le magasin est fermé, ce qui facilite les choses. Alors, on entend toujours l'encyclopédie du Koi de Patrick. Ben, écoute, il est sur Internet, hein, l'encyclopédie du Koi. Hein. Je vais essayer de vous le montrer. Attendez, je vais voir si je peux la rattraper. Là. Attendez. Là. Oh, Internet m'a pas l'air de très bien fonctionner là. Enfin, voilà. Attendez, hop, je vais switcher. Là, Encyclopédie du Koi est ici. Si vous cliquez dessus, vous allez obtenir ceci. Avant, il y avait quelque chose en flash, mais qui n'est plus actif. Vous avez toutes les variétés principales avec la possibilité de cliquer, par exemple, le Koraku. Vous avez les origines, voilà. Comment juger et choisir un Kwaku, les principales caractéristiques. Les variétés et les sous-variétés, le Deutsche Kwaku, le Ginrin, le Kwaku Inazuma, le Maruten Kwaku, le Sandan Kwaku, Nidan Kwaku, le Yodan, Maruten Yodan Kwaku. Le Moyo Koraku et le Butterfly Longfin Koraku. Et à chaque fois un petit lexique qui vous donne des explications complémentaires. Vous pouvez le faire ici pour le Koraku, bien sûr. Mais vous pouvez choisir autre chose. Je ne sais pas, on va prendre la Sagi par exemple. Voilà. Je clique sur la Sagi. Les origines. Comment reconnaître un Asagi avec certitude. Voilà. L'évolution d'un Asagi, comment choisir et juger un Asagi. Donc, l'encyclopédie du Koi existe avec un lexique évidemment à la fin, toujours. Donc, on peut encore prendre un dernier exemple. Bah, qu'est-ce que je vais prendre? Ah, bah, ici, on peut voir les écailles, tiens, voilà. Les écailles. Le wagoi, hein, forcément, ben, c'est un écailles, c'est un wagoi. Les différents types d'écailles qu'on peut trouver sur les poissons, le fukirin, le tsuba, le goromo, le kaneko. Voilà. Et ainsi de suite, on peut aller beaucoup plus loin là-dedans. Évidemment, il y a plein de choses à apprendre sur les koi, bien sûr. Et l'encyclopédie ici est en fait une synthèse de différents bouquins et des remarques que j'ai pu faire aussi au fur et à mesure du temps qui passe. Mais des bouquins qui ont été écrits
en anglais, en allemand, en néerlandais, donc en différentes langues, et ce qui permet aux francophones de s'y retrouver, du moins j'espère. Donc voilà. ça vous donne une bonne idée. Donc là, l'encyclopédie d'Ikoy sur aquatechnobel.be, je vous remontre. Vous allez ici, dans l'encyclopédie d'Ikoy, j'espère que vous voyez bien. L'encyclopédie d'Ikoy, ici, vous cliquez dessus et vous obtenez la page. Si je reprends Aquatechnobel, accueil, voilà. Donc, l'encyclopédie d'Ikoy, c'est ici. Et voilà, vous retrouvez la page, les origines, l'élevage, l'anatomie, il y a un peu de tout, les classifications, l'anatomie, etc. Donc il y a moyen de retrouver pas mal de choses là-dedans. Il y a aussi la base de données des plantes, alors des plantes aquatiques, pour ceux qui ont un bassin paysager. Donc ici on sait voir, voilà. Par exemple, on peut chercher par l'ordre alphabétique. Donc si on a une photo, elle est représentée par ici. Si je vais prendre par exemple la Juga reptan, voilà, et on sait voir à quoi elle ressemble. On donne en fait la profondeur de plantation, etc. Donc la zone de la rusticité, la floraison, les dates de floraison, enfin, plein d'informations. Et vous pouvez faire des recherches là-dedans aussi. Donc par exemple, si je veux faire une recherche, je veux par exemple une hauteur minimum de 50, voilà, je me trompe de bouton, de 50, un maximum de 60, voilà, et je fais une recherche. Voilà, il y a trois variétés, donc celle-ci, l'iris d'eau, voilà, vous avez les caractéristiques de cette plante. Maintenant, je pourrais faire une recherche, par exemple, de 20, par exemple, 20 à 60 cm. Je fais une recherche. Ah, évidemment, il y en a beaucoup plus. Alors, on va prendre celle-là, par exemple. Voilà, et on a ici une photo de la fleur, etc. Donc, on peut revenir en arrière, évidemment. Ben, l'Epiris vulgaris, ça c'est plus connu, c'est une plante assez courante. C'est le petit sapin, comme on l'appelle. Voilà, l'Epiris vulgaris, toutes les... Les caractéristiques de cette plante qui sont données, etc. Donc voilà. Vous avez aussi un petit utilitaire de conversion. Alors, je vais choisir une conversion. Je peux choisir le KH, le TAC, GHTH, la longueur, surface, le volume. Ben, le volume, tiens, ben, on va faire le volume. 1 mètre cube. 1 mètre cube, et on va traduire ça en litron par exemple. Voilà, convertir. Voilà, ça fait 1280 litres. Bon, vous voyez, vous pouvez vous amuser avec ce genre de choses. Il y a pas mal de petits outils comme ça qui vous permettent d'avancer dans vos connaissances de l'aquatique en général. Donc voilà. Donc ici, on peut voir mon jardin à l'arrière de chez moi et puis voir que bon, voilà. Le robot a été remis en route, ce qui permet d'avoir un gazon un peu plus serein. Et voilà quoi. On peut aussi repartir au Japon, hein, si vous voulez. Voilà, ici, une visite de temple. Au Japon, un petit temple qu'on a trouvé sur la route. Voilà.
On monte les escaliers. C'est en général, les temples sont toujours sous des points hauts pour se rapprocher évidemment de leur dieu. Alors, voilà. Alors, j'espère que vous avez des questions aujourd'hui. Alors, on a reçu évidemment quelques bonjours de tout un chacun. Voilà, de Serge Favier, bonjour, passionné, salut. Maudeline, bonsoir les amis. DJ Félix, salut à tous. Cyril, bonsoir. James, dit, le site a déjà pas mal limites professionnelles. Bon. Écoute, je l'ai fait comme ça, et puis ça représente un énorme travail. Il y a vraiment beaucoup de pages dans le site. Vous devriez trouver une partie de votre bonheur au moins là-dedans. Voilà. Enfin, du moins, c'est ce que j'espère. Donc voilà. Alors, de Fabrice, bonsoir à tout le monde. Gara du Sable, bonsoir à tous. Jordan, pour entraînement, combien de temps maximum peut-on faire tourner la filtration sur elle-même? Oh, il n'y a pas vraiment de limite. Tu peux, en général, l'entraînement, ça peut se passer sur une semaine. Tu peux faire tourner ton filtre sur lui-même pendant une semaine, il n'y a pas de problème. Du moment qu'il est maintenu en oxygénation et qu'il y a une circulation d'eau, ça ne cause pas de problème aux bactéries en tous les cas. Donc voilà. Alors, salut DJ Félix. Peut-on mélanger des bactéries de différentes marques? Oui, bien sûr. Tu peux le faire. Je dirais même plus, c'est souhaitable de le faire. Puisque c'est chaque fois des souches différentes. Donc, au plus il y a de souches de bactéries dans le bassin, au mieux ça se passera. Donc, oui, tu peux mélanger les différentes marques sans gros soucis. Alors, de Serge Favier, quand on parle de profondeur pour une plante, on prend en compte la hauteur du pot ou le palier sur lequel il est posé? Alors, la profondeur de la plante, c'est toujours par rapport à ce qui est émergent, donc qui est émergent, qui sort de la terre. Donc, si on dit une plante qui doit être plantée à 30 cm de profondeur ou 20 cm de profondeur, par exemple, eh bien, si le pot fait 50 cm, c'est les 20 cm qui sont au-dessus de la terre. Donc, comme ça, vous aurez une idée plus précise. Donc, c'est toujours ce qui émerge de la terre, si vous voulez. Donc, ça, c'est la profondeur idéale pour une plante aquatique. Alors, de Mathieu, quelle est la meilleure solution pour poser un vitrage sur le côté d'un bassin? La meilleure solution, c'est de faire un cadre qui maintiendra la vitre. Généralement, un cadre métallique devrait faire l'affaire, mais il faut bien le traiter en tirouille, bien sûr. Et puis, on vient coller, siliconer le carreau dedans, mais... Bon, en général, on n'utilise plus tellement des carreaux parce que c'est dangereux. Quand ça casse, on utilise plutôt de l'acrylate. De l'acrylate qui est un peu plus cher qu'un vitrage, mais qui est beaucoup plus résistant. Et c'est, vous savez, le fameux tunnel qu'on voit dans les parcs d'attractions où on passe dedans et on se voit les requins, ça fait en acrylate. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux que des carreaux. Si vous prenez du carreau, il faudra de toute façon du verre feuilleté, voilà quoi. Alors, GT, et pas JT, ici JJT. Alors, Jameson, j'ai un Issei avec des petits boutons blancs, 5-6 boutons nageoires et sur le corps. Bon, ben, si c'est des boutons blancs, c'est probablement... La variole, donc c'est pas dangereux pour le poisson, c'est inesthétique, mais bon, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est qu'attendre que les beaux jours arrivent, ça devrait disparaître avec les beaux jours. Donc voilà, Jordan qui me dit merci, bah, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, de Delpech, j'ai nettoyé mon aquarium au savon, mais quand j'ai remis l'eau, tous mes poissons sont morts. Et ça a tellement moussé que ça a débordé.
et mon appartement est inondé. Bah oui, forcément, si tu utilises du savon et que ça fait un genre de bain à mousse, ben tes poissons n'ont pas tellement apprécié ça. On ne peut pas utiliser du savon pour nettoyer un aquarium. En général, on peut le faire avec une lame de rasoir ou un racleur ou quelque chose comme ça, mais certainement pas du savon, si ce n'est que pour l'extérieur, évidemment, où tu pourrais utiliser éventuellement de l'Instanet. Mais pour la partie interne de ton aquarium, c'est vraiment pas l'idéal. Ben, je suis vraiment désolé pour toi, hein, Delpech. C'est vraiment quelque chose qui te fera avancer dans la passion, parce que c'est au fur et à mesure de ces conneries qu'on apprend. Hein. Alors, que penses-tu du mot booster de JPD? Je n'en sais rien, je ne connais pas du tout ce produit. Ce que je te conseille, Jean-Luc, c'est de peut-être faire attention au prochain live, dans le futur, parce qu'on aura certainement une émission avec JBL. C'est de JPD. Non, je ne connais pas du tout ce produit-là, je suis désolé. Alors, Maudeline, en combien de temps on abîmera la filtration biologique si la pompe tombe en panne? S'il y a une aération, donc si tu oxygènes ton filtre, ça devrait quand même durer un bon moment avant d'être en panne. Hein, mais c'est jamais très conseillé d'avoir sa pompe qui tombe en panne, évidemment. Bon, évidemment, tu peux rien y faire. Tu dois attendre une autre pompe ou qu'on te la répare, et bon, ça prend un certain temps. Je comprends très bien le problème. Je ne sais pas te répondre. 2-3 semaines me paraît être le maximum. Donc voilà, Madeleine, j'espère que tout se passera bien pour toi. Alors, de Blondel, bonjour. Après des parasites Costia et une attaque bactérienne, j'ai traité l'eau et les poissons il y a environ 2 semaines, mais 2/3 des petits ont du mal à repartir. Ouais, bah écoute, ça veut dire que tu as peut-être passé un surdosage de médicaments, ou je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait comme traitement. En général, quand on traite, il faut quand même oxygéner pas mal l'eau. Ça, c'est vraiment très important. Alors, de Paul Blondel, elle reste un peu sur le fond. Bah oui. Toujours de Paul Blondel, bah oui. Il fait encore malgré tout froid. Je ne sais pas où tu habites, Paul. Mais bon, il n'y a pas de quoi s'alarmer. S'ils sont toujours vivants, tu as moyen de les récupérer et faire un changement d'eau. Ça, c'est certainement la meilleure chose à faire pour éliminer les médicaments. Et il faut voir si tu n'as pas surdosé, tout simplement, les médicaments. Alors, de Delpech, utiliser un moteur à piston pour les filtres, ça passe. Parce que j'en ai fait, mais les raies n'ont pas trop aimé. Ah, bon, on est en aquariophilie, ouais. C'est pas vraiment l'idéal, hein, Delpech, d'utiliser un moteur à piston parce que. Ça, il y a toujours de l'huile qui va se mélanger à l'eau et ça va polluer ton aquarium, donc c'est vraiment pas top, hein. T'es mieux d'utiliser des pompes à air à membrane, ça c'est, t'es au moins sûr qu'il n'y a pas d'huile qui va rentrer dans l'eau, donc tu n'auras pas ce genre de pollution, sans quoi ton bac va ressembler plus à la plage de Ploumanac du temps de Homo Vocadis, hein, de la fameuse catastrophe qu'il y a eu là-bas. Et ça, c'est vraiment pas l'idéal pour les poissons. De Fabien, bonsoir. Filtration gravitaire pour le retour de l'eau, 30-40 cm sous la ligne d'eau et diamètre des passe-parois. Encore merci, toujours un plaisir de vous suivre. Bah écoute, ça dépend de en combien tu sors avec ta pompe. Si tu es en gravitaire, tu peux faire aller. La pompe se trouve après la filtration. Tu peux utiliser le diamètre le plus grand possible par rapport à la pompe que tu utilises.
Donc ce sera probablement du 50 ou du 63. Maintenant, tu peux agrandir aussi. Voilà, il faut prévoir un tube de 110 plus long, mais ça risque de causer d'autres problèmes. Donc moi, je te conseille d'utiliser le tuyau, le même diamètre du tuyau que tu sors de la pompe. Donc si tu sors avec un tuyau de 63, tu utilises 63. Si c'est un tuyau de 50, tu utilises un passe-parole de 50. Voilà, c'est tout simple. Alors, j'ai perdu le fil. C'est difficile de mettre des bactéries en culture. Il faut quoi comme matériel? Est-ce intéressant à faire? Oui, parce que ça permet de les multiplier, les bactéries. Si tu achètes du biota, c'est comme un chaud biberon, c'est un système à bain-marie qui permet de multiplier les bactéries, etc. Mais attention, toutes les bactéries ne conviennent pas pour aller dans ce multiplicateur de bactéries. Mais bon, la plupart, oui. Donc, moi, je te conseille de prendre le système de biota qui est très bien fait et qui va très bien, donc qui ne coûte pas très cher au demeurant. C'est certainement les bactéries les moins chères du marché si on regarde les volumes qu'il peut traiter. Donc, achète ça et voilà, ça ira bien. Alors, de Michael, bonjour Patrick, à quand un live avec Nicolas d'Aquiflore? Ça promet un live intéressant. Eh bien, écoute, je vais une fois les recontacter pour voir quand est-ce que ça leur convient, et puis voilà, on fera ça. Alors, de Théo, bonsoir, avec un biofilm couleur brune dans le bassin, en quoi est-ce mauvais? Lors d'un ancien live, vous en aviez parlé. Oui, j'ai dit que ça pouvait être mauvais si le biofilm se détache. En général, il se détache dû à une pollution. Donc, il se détachera en plaques. Et là, évidemment, ça peut poser un problème, puisque le biotope de votre bassin est en train de disparaître. Donc, c'est vraiment pas bon du tout. Donc, voilà. Et ça veut dire qu'il faut chercher l'origine de la pollution. Dans ce cas, si, tant que le biofilm reste attaché, qu'il est de couleur brune, ça ne pose pas réellement un problème. C'est quand le biofilm se détache que ça pose un problème. Alors, de boxing, salut, jeune boxeur de rue. Est-ce qu'on boxe bien en Belgique? Tu viens bien de Belgique? Toi, vu ton accent, qui pue la défaite en Coupe du Monde. J'en ai rien à foutre du foot, et puis j'en ai rien à foutre des boxeurs non plus. Alors, salut Patrick, j'ai un gros problème en ce moment. Hier, il n'y avait rien dans mon bassin, et ici, j'ai une coille avec des champignons. Je traite à l'Alparex. Ben oui, c'est un produit à large spectre, donc tu peux rien faire de mal avec de l'Alparex. Il faut juste respecter les volumes. Donc, tu peux utiliser de l'Alparex, ouais. De Paul Blondel, d'accord, merci. J'ai utilisé de l'Alparex pour le pas de surdosage et mon est très oxygéné. Mais les poissons sont bizarres. Deux tiers, ouais, restent dans le fond une fois. Ouais, mais bon. Ça, tu sais, tu as fait un traitement, écoute, ils sont un petit peu dans le coma, c'est normal. Il faut le temps au temps, hein. Il faudra faire un changement d'eau pour éliminer les médicaments, et puis après, ça devrait aller beaucoup mieux. De Paul Blondel, peut-être encore affaibli par les parasites. Oui, c'est possible. Donc, tu dois attendre un petit peu que le temps se passe, mais fais quand même un changement d'eau. Voilà. Alors, de Delpech, joli t-shirt en tout cas, fait penser à mon chien qui est mort parce que c'était le boss. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Paul Blondel,
plus une sortie d'hiver difficile ou trop brusque? Ben non, il n'y a pas de sortie d'hiver difficile. Voilà. Alors, de boxing, j'en ai strictement rien à savoir, moi, de quel âge ont les boxeurs et les combattants, mais j'en sais strictement rien. Alors, de Félix, je dois me séparer de quelques koi, car je suis en surpopulation. Est-ce que je peux mettre maintenant chez le nouveau propriétaire, ou dois-je attendre encore un peu que les températures montent? Non, la seule chose que tu dois faire maintenant, c'est de voir la température de ton bassin et la température du bassin du nouveau propriétaire. Tant que la température n'est pas... Il n'y a pas une différence supérieure de 5 degrés, ça fonctionne très bien. Donc tu peux très bien les déplacer. De Darkamto, est-ce c'est normal qu'elle se retourne, genre tête à l'envers et le ventre en haut, et une fois que je la touche, elle repart? Ah, c'est probablement un problème de vessie natatoire. Si elles sont tête à l'envers et le ventre en haut, elle ne peut plus s'équilibrer. Là, je n'ai pas de solution pour toi, il n'y a pas de solution médicamenteuse. C'est quelque chose qui requiert une opération, et le taux de réussite de ce genre d'opération est de 50%. Donc, faire venir un vétérinaire pour ça, ce sera difficile. Donc, ton poisson, à mon avis, il est perdu. Donc, je suis vraiment désolé pour toi, Darkanto, mais je n'ai vraiment pas mieux à te proposer que de l'euthanasier si ça reste comme ça, parce que après ce poisson ne pourra plus s'alimenter ni rien du tout, donc il va mourir de faim, et on met à abréger ses souffrances. Adèle pêche, je dois me séparer de mes poissons rouges, est-ce que la SPA les prend? Non. Sinon, les enterres vivants ou très connus, chasse d'eau, que conseilles-tu? Ben, je te conseille d'aller chercher un produit pour endormir l'écueil, par exemple, chez un spécialiste. Et tu surdoses, c'est la manière la plus douce de les euthanasier. Donc, ils vont s'endormir et puis ils vont se faire une crise cardiaque et puis c'est fini, quoi. Donc, je crois que vaut mieux avoir un peu de respect pour les animaux et puis voilà. Merci beaucoup de votre réponse de Blondel. Oui, pas de problème. Très jolie lunette que tu lui as acheté au... je ne sais pas où. Ah, on s'en fout. Attends, je vais arranger, essayer d'arranger ça. Là. Non, je ne peux pas l'arranger. Là. Voilà. Comme ça, boxing ne devra plus nous appeler et nous casser les pieds. Alexis. Bonsoir tout le monde. Connaissez-vous un site pour la vente et ou l'achat de carpe koi entre particuliers? Bon. Là, je crois qu'il faudrait regarder sur Facebook. Il y a des groupes qui sont prévus pour ça, voilà, et puis tu vas voir là-dessus et ça va aller. Darkanto, non, elle est très très bien équilibrée, mais elle meurt, puis repart. Peut-être qu'elle a le parex, c'est trop fort, ou je ne sais pas. Ah, alors là, je ne sais pas non plus te répondre, Darkanto. Il faudrait voir ça de plus près, je n'en sais rien. Alors, ce que tu peux faire, c'est de la sortir de l'eau et de la mettre dans un bol avec des gros bulleurs dedans pour bien oxygéner, pour voir comment est-ce que ta koi va réagir. Si ça tombe, elle repartira normalement. Alors, de Michael Join, avez-vous sorti votre propre marque de nourriture ou de filtre ou bien d'autres produits de bassin? Avec l'expérience que vous avez, ça pourrait être intéressant. Non, je n'ai rien sorti, je ne vends rien. Et j'ai bien dans l'idée de fabriquer un filtre qui aura comme particularité ce filtre de fonctionner avec des tapis japonais.
mais qui ont un rendement nettement supérieur au rendement actuel, du moins c'est ce que j'espère, mais qui est un peu difficile à fabriquer du point de vue de l'industrialisation. Je dois trouver quelqu'un pour l'industrialiser. Mais sans quoi, pour un volume identique, il devrait être certainement 3 ou 4 fois plus puissant et plus efficace que les filtres multichambres actuels. Donc, mais ça, c'est encore à expérimenter. Donc voilà, donc c'est une idée qui me trotte déjà depuis quelques années. Mais bon, moi, je n'ai plus pas la possibilité de les fabriquer, ces filtres-là. Et puis, je dirais que je n'ai pas trop envie de me lancer dans des affaires commerciales. Alors, j'ai démarré en plus ma filtration standard, un filtre à papier. C'est bien efficace. Ah ben oui, ça je pense que c'est bien efficace. Ça descend, on peut filtrer jusqu'à 5 microns avec ça, donc c'est certainement un des filtres les plus efficaces avec, les bits, les filtres pression. Donc, qui sont très bien. Tiens, en parlant de filtres pression, j'ai vu qu'il y avait une polémique qui se trimbalait sur Internet concernant les filtres pression. Ben, il n'y a pas de polémique là-dessus. Je dirais que, tout simplement, c'est un très très bon filtre mécanique qui peut filtrer très très fin, qui a comme ça, c'est son avantage principal, qui a deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'il faut le rincer souvent, parce que il se colmate par définition. Et deuxième inconvénient, c'est qu'il est assez énergivore parce que bon, c'est un filtre en pression. Donc si on monte en pression, ben forcément, ça consomme de l'électricité. Et voilà. Par contre, au niveau biologique, c'est pas extraordinaire comme filtre. Il y a beaucoup de bassins qui ont démarré avec ce genre de filtration et qui ont dû reviser leur filtration après un certain temps parce que ça ne fonctionnait pas et bon voilà. Donc ça peut fonctionner pendant quelques années. En tous les cas, si ça fonctionne, ça fonctionne avec une très faible charge de poisson, vraiment très très faible. Hein. On parle plus d'un coil par mètre cube, on va parler plutôt d'un coil par 3 ou 4 mètres cubes, ce qui est tout à fait différent. Et là, évidemment, bon, ça peut fonctionner. Mais bon, vous savez, j'ai mis en garde certaines personnes de l'utilisation de ces filtres-là parce qu'ils n'avaient rien d'autre. Et moi, je sais que ben, ces gens-là, ils ont perdu quasiment tout leur poisson. Et quand ils ont perdu leur poisson, ils ne sont pas venus se targuer de leurs exploits sur Internet. Hein. C'est toujours la même histoire. C'est que bon, le mur, il vous arrive dans la gueule, mais n'est pas plus aveugle, celui-là qui ne veut pas entendre, hein, donc forcément, ils se sont pris le mur, et puis voilà. Mais voilà, sinon c'est un filtre exceptionnel au niveau filtration, pour tout ce qui est, pour tout ce qui est épuration du bassin, c'est vraiment top comme filtre, mais bon, j'ai dit, bon, l'inconvénient, ben, c'est énergivore, même qu'il existe des bides aussi en basse pression, c'est déjà moins énergivore et ça fait à peu près la même chose, donc voilà. Alors, de Robert Evrard. Tiens, salut Robert, comment vas-tu? J'espère que tout va bien. Ça fait un petit bout de temps que l'on ne s'est pas vu vivement à la reprise des coil shows, des portes ouvertes. Ben oui, Evrard. Robert, ça c'est quelque chose qui me ferait plaisir de te voir. Ben, j'espère qu'un jour tu me téléphoneras, et de temps en temps tu le fais, et ça me fait vraiment, vraiment plaisir à chaque fois de t'entendre. Et tu peux me téléphoner quand tu veux, pas nécessairement quand tu es dans la merde ou que tu as un problème. Hein. Voilà. Eh bien oui, j'espère que ça va aller et qu'on va sortir un petit peu de cette merde de coronavirus pour pouvoir de nouveau avoir des koi shows. Et je crois que les koi shows, ça va être plus délicat à organiser que les portes ouvertes. Mais bon, l'un cas comme l'autre, il faudra quand même être vraiment très très prudent dans ce qu'on fait.
comme déplacement. D'ailleurs, la raison pour laquelle je fais le déplacement demain chez Japan Koei, parce qu'il n'y aura personne, justement, et qu'on limite les risques au maximum. Donc, voilà, donc faire le reportage chez Japan Koei sans personne, c'est quand même plus confortable que de le faire avec du monde dans le magasin. Delpech, c'est chiant, les gens qui viennent dire n'importe quoi pendant que nous essayons de travailler sur les poissons. Notre passion à tous les poissons, je vis les poissons, je mange les poissons et je dors. Oui. Ben écoute, tu ne seras pas le seul dans ce cas-là, donc rassure-toi, c'est pas une tare, hein, c'est un petit peu comme le corona finalement, hein, c'est un virus. Donc une fois que tu es tombé dedans, tu ne peux plus en sortir. On va dire que bah, c'est comme Obélix, hein, qui est tombé un jour dans la marmite et voilà, qui lui donne des pouvoirs permanents. Et bon, ben, une fois que tu es tombé dans la marmite du Koi, ben, c'est difficile de s'en passer, et puis voilà. Et puis aussi de pouvoir profiter de son jardin, etc. Donc voilà. De GT, comment va Stéphane? Ben écoute, il va bien, il est en plein boulot là, il est occupé à raccorder ses tambours et à mettre les petits oignons, les petits plats dans les grands et à faire quelque chose de vraiment magnifique. J'étais cet après-midi chez lui, et tout se passe bien, et puis voilà, donc je sais qu'il est fort occupé pour l'instant, d'où la raison pour laquelle il n'est pas là ce soir, mais bon, vous aurez certainement l'occasion de le voir très très bientôt. Et puis, voilà. Ah, ce que je voulais dire aussi, pendant que je suis occupé, je ne vous oublie pas, mais ça fait quelques jours que je ne me suis pas occupé des emails. Je sais qu'il y a quelques personnes qui m'ont envoyé des projets, des choses comme ça. Excusez-moi, mais bon, là, pour l'instant, c'est compliqué. Demain, je ne suis pas là, donc, pour cause de Japan Koi. Et après-demain, je ne serai pas là non plus, puisque, bon... Là, j'ai des visites médicales à faire à l'hôpital, donc je ne sais pas être partout four et moulin. Donc voilà, rassurez-vous, je vais bien, ça n'est qu'un contrôle. Alors, de Blondel, c'est le même souci que d'Arcanto. J'ai bizarre, surtout que nous avons tous les deux utilisé la Parex. Oui, bon, ben écoute. Quand vous utilisez des médicaments, il ne faut pas surdoser d'une part, il faut surtout oxygéner l'eau, mettre des bulleurs à fond la caisse dans le bassin, et puis couper l'UV, hein, parce que bon voilà, et être certain aussi qu'il n'y a pas d'interaction avec le sel. Parce que si vous avez mis du sel dans votre bassin, de temps en temps, il y a certains produits, comme par exemple du sel et tout ce qui est à base de formol. Ça crée un poison violent, hein, pour les poissons. Donc, quand vous constatez réellement un problème comme ça, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de faire rapidement un changement d'eau de 30% de votre bassin pour rafraîchir un petit peu et leur donner de l'oxygène avec de l'eau propre. Excusez-moi, je l'ai OK. Alors, de DJ Fix, oui, il y a toujours des crétins qui savent pas quoi faire de leur journée, à part emmerder leur monde. Bah oui, bah écoute, c'est le jour d'aujourd'hui, c'est la civilisation qui est comme ça. Hein. Bon, il est bloqué, il ne peut plus rien poster maintenant. Donc, voilà, on est tranquille, il ne nous ennuiera plus. Alors, de série 73, pardon, qui donne de l'ail à ses koi. J'ai vu que c'était un fortifiant. Bah écoute, tu peux donner de l'ail à tes koi, mais le seul problème qu'il va avoir de l'ail, c'est que tes koi vont plus de la gueule. Mais bon, c'est un autre problème. Hein, c'est tout, il n'y a pas de problème avec de l'ail. Hein, donc, ce qu'il faut éviter de donner, c'est du persil, parce que ça, c'est un poison violent. Il faut savoir que le persil contient de l'arsenic. Et pour les petits animaux, pour les tout petits koi, par exemple, c'est mortel. Donc, là, décidément, c'est vraiment là, OK. Alors, de Serge Favier, quand tu seras chez Japan Koi demain, prévois une chaise pour Arnaud, il en a bien besoin en ce moment. Ah bon? Eh bien, je verrai, j'espère qu'il va bien en tous les cas. J'essaie de lui tenir, il n'a pas répondu. Mais c'est pas grave.
Alors, de Pierre, bonjour Patrick, as-tu regardé mon mail avec un koï qui a sauté du bassin et qui a un gros point blanc sur la tête? Non, je suis désolé Pierre, j'ai pas ce que j'ai dit là tout à l'heure, il faudra m'excuser, mais ça fait 2 ou 3 jours que je n'ai pas regardé mes emails. J'étais occupé dans mon jardin d'une part, et puis deuxièmement, de temps en temps, je vais donner un coup de main à Stéphane, donc je ne sais pas être au four et au moulin en même temps, donc excusez-nous, excusez-moi, je veux dire, mais dès que ce sera possible, je jetterai un coup d'œil là-dessus. De Ben 59, abusez certains commentaires alors qu'on vous donne le temps pour vous faire des lives, courage à vous. Bah oui, bah écoute, tu sais, c'est comme ça, hein, voilà. De James, au niveau des bulleurs, à partir de quand faut-il les mettre? Moi, il tourne toute l'année, le bulleur. Ben, écoute, alors tu ne dois pas l'arrêter s'il tourne toute l'année. Ben, tu peux le mettre à partir de maintenant. De toute façon, donc, le bulleur dans le filtre, en tous les cas, tu vas activer le filtre plus rapidement. Hein. Dès que la température est à 15 degrés, tu peux y aller, quoi. Alors, de Mahaloulam. C'est un drôle de nom, ça. Hein? Bonjour, je suis en Polynésie française. Ah, ben, ça explique ton nom, ça. Et je suis en réflexion sur la construction d'un bassin de 15 mètres cubes. J'aimerais un filtre performant avec un minimum de place. Je pense à un tambour gravitaire. Oui, mais le tambour fait qu'une filtration mécanique. Je ne vais pas te rappeler ton prêt, ton nom, parce que. Mais quoi pour la bio? Pour la bio, tu dis dans le message suivant, ben écoute, je peux te dire qu'une seule chose, prends un tambour pour la filtration mécanique, et à la suite de ça, n'importe quel contenant, tu utilises tapis japonais ou n'importe quel média de filtration, le tapis japonais, ça reste quand même toujours la base pour moi, en tous les cas, d'une filtration. Maintenant, ce que je peux te conseiller, c'est de suivre un petit peu tout ce qu'on fait dans les lives et sur Aquatechnobel, sur la chaîne Aquatechnobel, parce qu'on va pouvoir montrer en détail la filtration de Stéphane, et qui nous donnera les commentaires, etc. Et j'expliquerai les différents points de cette filtration. Là, on est sur 2 lignes de filtration. De 3 cuves avec tambour, avec UVOzone, UV, etc. Donc un système très complet. Et on pourra vous expliquer, donner toute série d'informations, comment le réaliser, etc. On fera une vidéo là-dessus. Comment réaliser un bac, c'est tout simple. Hein, donc il faut juste prévoir un backwash, c'est-à-dire un point bas pour pouvoir purger le contenant, et puis avoir des supports pour tenir les tapis avec 2 cm, c'est suffisant pour dégager le fond pouvoir évacuer facilement les crasses, et puis voilà, et alimenter du tambour les filtres. Donc c'est relativement simple à mettre en œuvre. Bon, moi je te conseille de suivre ça. On devrait pouvoir faire la semaine prochaine les filtres. Donc d'ici peu, on verra comment est-ce qu'on fera une démonstration. Mais d'ici 15 jours, à mon avis, on devrait pouvoir proposer une émission spéciale sur la filtration de Stéphane. Alors, de DJ Félix, Patrick, ton eau devient de plus en plus claire. As-tu mis des produits? C'est la nature qui fait les choses, et le tambour. L'eau, elle est de plus en plus claire, mais bon, pour le moment, il y a une poussée d'algues qui est en train de se faire. Donc, elle va devenir de plus en plus claire, forcément. Maintenant, on ne voit pas très bien parce qu'il fait de plus en plus sombre dehors. C'est le paradoxe. Hein, mais bon. J'ai rien mis comme produit dedans, pour l'instant, tous les cas, pas. Les produits sont naturels chez moi. Ça vient du bois, donc il n'y a pas besoin vraiment grand-chose. Alors, de Georges, bonjour, je voudrais savoir quelle est la taille idéale pour commencer un bassin à koï. Oh, je dirais un bassin à koï, tu peux le commencer avec, oh, je dirais, idéalement, bon,
La taille idéale, il n'y a pas vraiment de taille idéale. Tu peux commencer avec un bassin de 4-5 mètres cubes, qui me paraît le minimum pour un bassin à coille. 4-5 mètres cubes. Et puis après, tu peux monter comme tu veux en taille. Moi, je dirais que bon, 15 mètres cubes, ça commence à devenir intéressant pour la stabilité des qualités d'eau, etc. Et ne pas trop surcharger ce bassin-là. Et avec un 15 mètres cubes, ça devrait vraiment le faire. Mais bon, il n'y a pas d'obligation. On peut travailler sur un petit bassin et apprendre. Ça, c'est une règle que je donne, un conseil plutôt que je donne à tous les débutants. C'est de commencer petit, commencer un petit bassin et apprenez à comment faire vivre l'eau et à comment faire vivre des coïnes naturellement. Et puis après, faites un plus grand bassin. Vous profiterez grandement de votre expérience. Comme toutes les passions, ben, vous avez du temps. Hein. Si on veut faire les choses en un jour, ben, ça ne va pas toujours très bien. Et puis voilà, prenez le temps de faire les choses à votre aise. Et ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Jean-Luc, Patrick, tu as quoi comme média chez toi ? Que du tapis, oui, je n'ai que du tapis. Je n'ai que ça, donc c'est pas difficile. Il n'y a que du tapis dans mon filtre. Donc, il y a 4 mètres cubes de tapis dedans. De Blondel, que penses-tu des Bacteriose Mountain Tree ? Ben, c'est très bien, les Bacteriose. On en a déjà parlé quelques fois avec Nico, etc. C'est un produit fantastique. Je dirais que c'est un produit qui n'est pas nouveau, puisque bon. On connaissait des versions antérieures de Bacteria House, notamment celui qui a lancé ça, c'était Momotaro dans le temps. Et puis, c'est comme ça qu'il a fait les premiers filtres à douche. Il utilisait le Bacteria House dans les filtres à douche. Et ce sont des produits qui sont très bien, mais bon, qui ne sont pas donnés non plus. Donc, à chacun de voir son portefeuille avant tout. Dark Anton, merci pour tes conseils, Patrick. Non, pas de quoi. Antonin Dupuis, aujourd'hui mon chien est passé dire bonjour à mes carpes. Du coup, je l'ai attaché après l'avoir bien corrigé. Sinon, tu as des techniques ? Bon, non, parce que je pense que ton chien va commencer à réfléchir. S'il a ramassé une trempe en plus, je pense qu'il va réfléchir à deux fois avant d'y aller et d'y retourner. Dans le bassin, il n'y a pas vraiment de choses que tu peux faire, si ce n'est que le fil électrique où il ramasse une drille quand il met sa truffe dessus, puis voilà, c'est tout. Et il apprendra vite, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais bon, c'est pas très grave, ça craint rien pour tes poissons. Les chiens, en général, ne s'attaquent pas vraiment aux poissons, donc ça sert à rien de le punir violemment. Hein. Et voilà. Donc voilà, je crois que pour aujourd'hui, on est à peu près. Ça sera tout pour aujourd'hui. Donc moi, je vais regarder demain avec Arnaud comment est-ce qu'on va faire la suite en ce qui concerne les Japan Koi. En tous les cas, bon, on va certainement faire filmer un petit peu les nouveautés. Je sais qu'ils ont fait pas mal de travaux chez eux, on a l'occasion de le montrer. Et puis aussi de voir. Quels sont les poissons qui sont rentrés, les poissons, etc. Et puis, donner les informations du jour. Alors, de Pierre, est-il possible de mettre des bactéries, même si le bassin est salé ? Oui, le sel, dans les proportions qu'on utilise pour le bassin, ne cause absolument aucun dommage aux bactéries, donc tu peux y aller. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette petite émission vous aura appris quelque chose. Et puis, moi, il me reste à vous dire à très, très bientôt. Et puis, voilà, nous, on se verra mercredi prochain pour la suite, évidemment. Et entre-temps, surtout, ne soyez pas sages. Comme je dis toujours, allez, ciao, ciao.